Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire. C'est mes cadeaux de Noël, je fais ça tous les ans et ça vous plaît trop à chaque fois. Donc cette année j'ai demandé un gros cadeau avec des petits cadeaux à côté. Voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite une très belle année 2024. On va commencer par ça. Donc ça c'est ma mère qui m'a offert ça, on a été choisir ensemble. Je voulais un foulard, je voulais le Gucci de base mais bon il coûte très très cher pour un foulard quoi. Donc je me suis dit ça sert à rien parce que c'est pas quelque chose que tu mets toute l'année et que tu utilises toute l'année genre comme un sac quoi. Donc du coup j'ai pris un petit foulard chez Guess, il est trop beau. En fait il est noir satiné, je trouve qu'il fait hyper classe genre sur une petite veste ou un blazer. Ça fait trop beau, genre vous voyez il y a des, bah là vous voyez genre il y a des petits motifs comme ça, Guess. Il tient hyper chaud, enfin genre il fait tellement genre classe. Regardez, il est trop beau, genre il est incroyable. Parce que j'avais que des grosses écharpes et ça faisait pas forcément beau avec tout. Donc si vous cherchez un foulard un peu qualitatif et super beau noir comme ça, bah il y en a, Guess. Voilà, je sais pas s'il est encore en stock mais vous pouvez toujours regarder sur le site. Ensuite, donc toujours ma maman. J'ai acheté des chaussures parce que je reprends la course, enfin la course à pied. Je cours à peu près 2 fois par semaine pour l'instant. Je fais des petits 7 km avec mon père le samedi dimanche. Voilà, du coup il me fallait d'autres chaussures parce que les chaussures, il faut toujours prendre une demi-pointure voire une taille au-dessus pour courir. Donc du coup j'en avais plus et je les ai choisis pareil avec ma mère. Mes cadeaux c'est pas tout le temps des surprises quoi. Mais en tout cas elles sont trop belles, genre c'est bah, pour la salle aussi parce qu'en fait c'est très très mauvais de courir, je sais que vous le faites parce que moi aussi je le faisais, je courais avec mes Air Force, genre les petites baskets blanches toutes belles là, mais il faut pas, genre vraiment faut pas, même pour courir sur le tapis et tout c'est hyper mauvais, genre vraiment. Du coup vraies chaussures, vraies semelles pour courir, trop bien, elles sont trop belles, c'est des petites Nike toutes simples hein, mais trop belles, genre vraiment j'aime trop. Ensuite de la part de ma maman toujours, j'ai eu une petite bague AP Monaco, j'aime trop cette marque vraiment, chaque année j'ai quelque chose de leur marque, genre l'année dernière j'ai eu les boucles d'oreilles et le collier la météorite pour celles qui connaissent, vraiment j'aime trop les bijoux, c'est ma passion sur terre, donc j'ai choisi une petite bague comme ça, papillon, elle est trop belle, vraiment elle est trop trop belle, j'adore. Voilà une petite bague toute simple. On va continuer sur les bijoux, de chez Carador, de mon père. J'ai eu aussi de l'argent donc je sais pas encore ce que je vais m'acheter avec. Peut-être une belle montre ou j'ai pensé à Apple Watch, mais je me dis Apple Watch ça fait que vous avez tout le temps votre téléphone sur vous quoi, donc c'est pas vous, donc je sais pas encore. Mais en attendant j'ai eu un petit collier. En fait j'avais avant une chaîne de baptême et tout mais je l'ai perdu. Donc j'ai été racheter un collier en or et une petite croix. Frais, voilà trop beau, c'est hyper fin en fait. Vraiment je suis trop contente et ça passe sous l'eau etc, hein, c'est de l'or. Ensuite de la part de mon oncle, j'ai eu le cadeau en deux parties, je vous montre en deux parties. Donc j'ai eu cette petite brume qui sent incroyablement bon, je l'ai sentie à Sephora, elle est restée dans ma tête. Donc je l'ai commandée, c'est la Cherosa, c'est la plus foncée, c'est celle qui sent le plus sucré, en gros elle sent très sucrée. Dedans on a des odeurs de black ambre, cassis, jasmin, vanille, donc c'est vraiment hyper sucré. En plus elle tient trop bien, genre vraiment elle sent mais divinement bon, genre, et en plus elle tient super bien pour une brume parce que en fait les brumes sucrées ça tient super bien. Genre ça vous tient toute la journée, vous parfumez sur vos affaires et tout, elle tient trop bien. Voilà, je vous conseille les petites brunes de cette gamme, ça sent trop bon. La bleue aussi sent très bon. Ensuite de la part de ma tante et de ma soeur, j'ai eu des bijoux de chez Nébuleuse. Parce qu'en fait ils tiennent super bien, c'est d'acier inoxydable, donc ça ne bouge pas sous l'eau. Et c'est trop beau, en fait c'est des compos à l'unité. Donc toutes mes boucles d'oreilles là que j'ai sur mes oreilles, ça vient de chez eux. Et il y a même, en fait moi j'aime pas me faire des piercings, je me suis fait 2 fois, ça s'est infecté. Donc du coup je préfère mettre des boucles d'oreilles bah, qui se glissent par exemple ici ou là. Parce que je déteste les piercings. Et par contre ça coûte un peu cher, là j'avais demandé une composition qui coûtait à peu près 100 euros. Et on avait à peu près 6 boucles d'oreilles.
Je sais pas si on va voir, mais j'ai demandé du coup les trois boucles d'oreilles ici. De l'autre côté, on a une boucle d'oreille en fait qui fait tout le lobe et un petit anneau comme ça. Ensuite, j'ai eu les produits Olaplex. Qui dit blond dit cheveux tués par les colorations. Bah, si vous voyez mes vidéos avant, j'avais les cheveux ici. Maintenant, je les ai là. Alors que je les coupe des fois. Hein. Le blond, c'est très beau. Mais pensez-y deux fois avant de le faire, vraiment. Du coup j'ai demandé les produits Olaplex à Noël. J'ai eu tout ça, j'ai eu, du coup je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent un peu. J'ai acheté en fait le kit sur Olaplex qui coûtait moins cher qu'à l'unité en fait. Donc j'ai eu le produit numéro 0 avec le 3, donc qui fonctionne en synergie les deux. Le shampoing, l'après-shampoing et après j'ai eu un petit masque à échantillon. C'est bien. Mais c'est pas révolutionnaire en fait. Ça dit que ça va réparer vos cheveux, nanana. Non, enfin ça fait un soin, hein. Ça fait un soin, ils sont très bien. Mais bon, c'est pas les produits révolutionnaires. Ça me fait un bon soin, mais ça va pas les réparer. En vrai je vous les conseille parce qu'ils sont quand même bien. Mais je dirais qu'il y a d'autres alternatives quand même à ça. Mais en vrai ils sont bien, franchement ils sont bien. Je suis pas déçue de les avoir. Ensuite, de la part de ma sista, encore, j'ai eu des chaussures que j'ai recommandées pour la troisième fois. Vraiment, je suis fan de ces chaussures. Donc, ce sont les petites Jordan Mid blanches, tout simplement, parce que les chaussures blanches, on n'en a jamais assez. Elles se salissent hyper vite. Par contre, je crois que j'ai pris une pointure un peu trop grande, c'est 39. Mais trop belles. Genre, en fait, que ce soit en été ou en hiver. Genre en été avec un short en jean et tout, c'est trop beau. Franchement trop belle, bah c'est une paire vraiment incontournable. Genre elle est trop trop belle, par contre elle est de moins en moins trouvable. Alors qu'avant elle était partout. Mais elle est trop belle, genre vraiment c'est la Jordan toute simple, blanche, incroyable, j'aime trop. Ensuite de la part de ma soeur, j'ai eu donc des places pour Ahmed Silla, ma passion sur terre. C'est mon humoriste préféré depuis tous les temps. Donc j'ai très hâte de voir. Par contre ma soeur s'est rendu compte que c'était en 2025. Pour sa tournée 2025 et pas 2024. Donc bon, ça va être dans un peu longtemps. Mais je suis trop contente, vraiment je suis ravie d'aller le voir. Et ça fait plaisir, un cadeau aussi événement et pas que du matériel. Et ensuite le dernier cadeau que vous avez dû voir sur la miniature, c'est le Dyson. Donc en fait c'était un peu pour mes soeurs et moi. On l'a testé parce qu'une amie à ma soeur nous l'avait prêté. C'est l'édition rose poudrée de mes parents. Trop beau avec le violet, incroyable, le petit coffret. Vous avez du coup le petit Dyson, il est trop beau. Franchement il est rose poudré violet. Et avec on a tous les embouts. Il y a même l'embout, enfin il y a plein d'embouts genre pour sécher, pour un brushing. On a même un petit peigne. Si vous avez les cheveux hyper fins comme moi, je vous le déconseille parce que ça tient plus sur les cheveux épais. Genre je sais moi ça tient sur les cheveux de mes soeurs sur les cheveux épais. Mais moi j'ai regardé depuis le début de la vidéo, vous avez dû voir un avant après. Là j'ai fait des boucles tout à l'heure et c'est déjà comme ça. Bon après j'ai pas mis de lac, mais là bon là c'est un peu mieux fait, c'est un peu mieux tenu. Le séchoir est très bien parce que ça donne moins les cheveux vu que c'est une température plus basse qu'un fer. Mais voilà, ça ne tient pas énormément non plus quoi. Mais en vrai il est bien parce que ça fait quand même des ondulations, brushing etc. Il est bien, ça reste le Dyson et franchement je suis trop contente de l'avoir eu. Genre je fais mes meilleurs brushing tous les matins, je me lisse un peu moins les cheveux. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez été gâtés à Noël. Dites-moi ce que vous avez eu dans les commentaires, je serais ravie de lire ça. Et je reviens avec plein de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.